On a des bateaux de la force bleue qui nous tournent autour et qui essayent de nous déceler, voire nous couler. Donc forcément, il y a une certaine tension. Il n'en reste pas moins que c'est un exercice et que quand vous êtes en situation de crise, la tension est néanmoins différente. On essaie de reproduire cette tension, mais heureusement, bien heureusement, c'est pas la, ça ne sera jamais la même. Renseignement. Oui, bien pris. Pour quelle heure? Oui, reçu. Attendez, je regarde sur la carte. Oui, c'est sûr. Quel est dans le temps de... Le chef de détachement en drone est demandé au central opération. Dans cet environnement de tension interétatique qui est en train de monter, l'exercice Polaris a vocation à préparer la marine et aussi les autres armées françaises, c'est-à-dire avec une participation importante de l'armée de l'air et de l'armée terre, à des engagements de haute intensité. Les éléments qui sont reconstitués au titre de Polaris permettent effectivement à nos équipages, à tous ceux qui sont engagés dans cet exercice, et également aux états-majors, c'est-à-dire ceux qui planifient et qui conduisent l'activité, d'être entraînés aux environnements qui sont susceptibles effectivement de rencontrer dès aujourd'hui sur les théâtres d'opération.